qu'on a mis du rythme tout de suite. On savait que voilà, il fallait que nous-mêmes on se rassure et qu'on montre un autre jeu. Donc je suis contente du match qu'on a fait et on a montré qu'on pouvait prendre voilà, de l'avance. Et on a fait, je pense, un bon match. On avait envie de montrer un autre visage que celui qu'on a montré samedi. C'est difficile de se remettre dans le rythme, mais voilà, je pense qu'on a fait un bon match, on a relâché un peu sur la fin, mais je pense qu'il fallait qu'on se remette dans le bon sens pour les deux matchs qui arrivent. C'était important qu'on réagisse après le match contre Toulon, match perdu contre Toulon, où on n'avait pas mis l'engagement qui était nécessaire pour faire ce match face à un Toulon qui a bien joué au handball et qui était complètement engagé dans cette partie. Il était important qu'on réagisse et qu'on montre des vertus de combat et puis qu'on mette un peu de performance collective et individuelle. Je pense que globalement ça a été fait. Ça peut nous laisser un petit peu sur notre fin. Le dernier quart d'heure, mais c'est entièrement de ma faute. J'ai voulu tenter des choses qu'on n'a pas pu faire à l'entraînement, vu le peu d'entraînement qu'on peut avoir entre les matchs. Donc voilà, j'ai pas forcément rendu service aux joueuses qui sont rentrées, pas forcément échauffées. Donc voilà, donc globalement, on peut être satisfait. Oui, c'est des matchs aller-retour. Donc maintenant, la défaite peut être rédhibitrice pour une qualification. Une chose est sûre, c'est que le match à l'extérieur. Une chose est sûre, c'est que ça doit nous donner la possibilité de nous qualifier au match retour, sur un match retour. Donc surtout, ne pas endiguer nos chances de qualification parce qu'un match raté à l'extérieur.